Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bon, les amis. En plus, j'ai mis le jog. J'ai mis le jog, les gars. J'ai mis le jog en plus. Les gars, très important, la vérification. Ils nous l'ont dit sur l'Envoy. Hein. Ils nous ont dit, les gars, quand vous ouvrez, faut vérifier au moins, quand même, c'est le minimum. C'est pas parce qu'on vous a envoyé un mail, un courrier, un pigeon voyageur, un hibou et un facteur X. Que c'est vraiment du 15%. Moon Knight, autrement dit. Coup de soleil, on l'appelle aussi. coup de soleil, c'est Red Skull. Crème solaire, on va l'appeler. Bon, 15%, soit l'équivalent d'avoir une chance sur 1000 de tomber sur Moon Knight. Donc c'est quand même 15%, quoi. 15%, c'est les 15% Scopelli. Soit une chance sur mille de tomber sur Moon Knight en 4RS, quoi. Donc moi, j'ouvre des 4, j'ouvre pas des 5 sur ce connard de Moon Knight. On va voir un petit peu ce que ça dit. Ça sert à rien de se presser, de toute façon, que tu sois en train de galérer pour finir un autre. Ah oui, bah c'est sûr. Ouf tout, Wade, qui met 10 000 poètes. Une petite RS pour toi, du coup, tonton, ça marche. Bon, vous êtes chaud? Allez, c'est parti. Let's go. C'est important de recommencer direct au début au cui-cui. Faut s'imprégner, les gars. Imprègne-toi. Est-ce que tu le sens rentrer en toi? Merci Mister Teigneux qui met 100 bits pour la chance. Merci tonton. Mais c'est pas une histoire de chance. C'est une histoire de musique, tonton. Ok, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On tente le 7RS, bien sûr, comme d'habitude. Let's go. C'est dû à qui ça? Hop. Wouh. On s'est mal imprégné, là. On s'est mal imprégné. À vos tours... Tu vas te réimprégner très très vite, Roro, tu vas t'imprégner beaucoup plus vite que ça, hein, si... Allez. Combien il nous en reste, là? 5. Non. 10. 15. 11. 11. On n'était pas bien imprégné, je pense. C'est ça, le problème. Allez, let's go. Let's go. Allez, c'est parti, les gars. Qui ce personnage? Est-ce que quelqu'un a déjà vu est-ce que quelqu'un connaît ce personnage? La maman de ce personnage est attendue à l'accueil. La maman de personnage dans un cri. C'est un très bien,
Très bien, très bien, très bien. Il est redescendu aussi vite qu'il s'est levé du siège. Oh, non, mais c'est infâme. Sur l'Hydra, c'est l'un des meilleurs sur lesquels avoir des... Non, mais là, j'ai des RS de ouf sur ma Hydra. Ça s'arrête plus. Hein. Ça s'arrête plus. Hein. C'est genre, je ne loot que des RS sur ma Hydra, en fait. J'en ai plein le cul. C'est le scientifique, en plus. Mmh. Je l'avais combien? Je l'avais 4, c'est ça? Oh putain, mais j'ai une Hydra incroyable. Plus aucune inhumaine voudra la taper, c'est sûr. Attends, mais j'ai des RS de ouf sur ma Hydra, moi, je veux bien, hein, mais... ah, mais non, c'est pas... Ah, mais c'est sur l'Hydra... Non, c'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. C'est l'Hydra Hydra, je crois. C'est le scientifique. Ouais, voilà. Voilà. Donc, 4, 6, 6, 4, 6. J'ai 3, 6 RS sur ma Hydra. sinon, comment ça se passe? Il y a moyen de faire des teams, d'avoir des trucs qui sont un peu plus sympathiques, éventuellement des personnages de type top moumout ou des top moumoutettes, quoi, des petits RS sur des personnages un peu top moumout, quoi. Il en reste plus que 10. On va changer de son. on reviendra sur celui-là une autre fois, les gars. Ça vous dérange pas, hein. Donc. C'est bon, je l'ai mon Moon Knight, ah ben il a changé, il a pris le soleil. Il a pris le soleil. Ouais, on va peut-être tester une autre musique. histoire de voilà quoi, de ouais, je sais pas, le mood voilà, mettre quelque chose d'un peu mood quoi. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Hein? Ah ! Là quand même, il est censé se passer quelque chose là. Là, il est censé se passer quelque chose. Je dégaine un fusil S6. Non, mais c'est bon, les Hydra. vous allez vous calmer, là, les gars. Stop, les Hydra. Allez, il en reste 10. Est-ce que Moon Knight existe dans les RS, les amis? Ah, celle-là, elle a fait tomber beaucoup d'RS. Celle-là, elle a fait tomber beaucoup de belles RS. Donc, on va tenter le truc. On est déjà chaud, je pense qu'on s'est déjà bien imprégné. Je sais pas ce que vous en pensez. On est déjà bien imprégné. Allez, let's go. Je me relève. Un autre doré. Doré into doré. Je le sens. J'en ai marre. Mais c'est quoi ces personnages de mort? Attendez, je relance le jeu parce qu'il y a un truc qui va pas, je sais pas ce qui se passe. Je relance le jeu. Ouais, il y a un moment, attends, je veux bien une musique, deux musiques. Bon, je vais en essayer une autre, mais il y a un moment, faut arrêter de se foutre de notre gueule, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette tisane, les potes, là? Par pitié, quoi. Oh. Alors là si je la chope pas 7, j'envoie un mail à Scopelli, hein, je leur envoie le t-shirt déchiré avec une tête de mort dessus signé, tu sais. Bah, il est passé où mon Bluestax? Ah bah voilà. Bah tiens, tu voulais. Des fois il plante. Relance le PC, ta box, renémarre le frigo, change de voiture. Le BP c'était pour remettre ta Wakanda Song. Possible. C'est les 15% Scopelli, ouais, c'est une chance sur 1000. Lui, j'ai une petite suggestion de son pour une ouverture. Est-ce qu'elle est libre de droit, tonton? C'est ça qui est important, surtout. Vous croyez qu'il faut que je revienne sur les tam-tams? Vous avez peut-être raison, hein. Vous croyez qu'il faut que je revienne sur les tam-tams? Allez, let's go. Je sens que vous avez raison, les mecs. Ça me dégoûte, hein, de vous dire ça, que vous avez raison. Mais je pense que vous avez raison. Remets la première musique avec l'oiseau. Au moins, je chope des 6 RS. C'est vrai. C'est vrai. Des 6 RS de merde. Enfin, de merde, disons que voilà quoi. C'est pas le truc qu'on vise aujourd'hui, ni hier, ni demain, ni la semaine prochaine quoi. Le nom de la ZIC avec les piou-piou de la Wakanda. Tu fais quoi si tu chopes le nouveau perso 7 RS je monte ma bite, au hasard. Chez Hulk, tu lui as mis quel ISO? Je crois soigneur parce que elle est level 1. Bon, allez, let's go.
C'était pas fini, les amis. On s'imprègne. On s'imprègne, les mecs. On s'imprègne. Il nous en reste 9. Donc, tout peut arriver. Ok. Allez, c'est parti. Let's go. C'est du acquis. Allez. Putain, je vais jeter mon casque dans mon écran. Lâche-le, ce CTRS. Oh là là. Au moins, il y a du bon son. Ah ouais, non, putain, je crois que c'était lui. C'est Taskmaster. Il m'en reste plus que deux, les mecs. Hein. Il en reste plus que deux, les mecs. Oh, genre, mais j'en ai marre. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage de merde? Merde. Que de la grosse merde. Je vais ouvrir des normales. Et là je chope 7. Là je suis à 2. Là je suis à. Oh, je fous là. Là je deviens fou. Oh, si tu lâches pas un violet, ça va mal se mettre. Je savais bien qu'ils allaient nous vider à bout. Oh pété. Je me barre, je m'en fous. Ah, je me suis. Oh putain, barbu, je peux pas les encadrer, ces barbus, j'en ai marre. Putain, mais merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? 15% de quoi? Back to back? C'est quoi le délire de la Wakanda là? Merci Mister Teigneux qui met 100 bits. Y'a que toi qui es avec moi, même moi je suis plus avec moi là. Il me reste plus que Shuri et j'ai la Wakanda full 4RS, ouais c'est ça. Et Okoye je crois, non. Il est où Moon Knight? Attends, mais c'est un truc de ouf les mecs. Oh, j'ai pas eu un Moon Knight. Les gars, j'ai pas eu un Moon Knight. Vous savez ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire que c'est peut-être le moment de tirer mes élites. Je vais peut-être avoir un bon perso du coup. Oh, j'ai une élite 4. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu. Ah, je tire tout. Là, je suis dans le pire mood de la Terre. Faut que j'ouvre tout. Je suis obligé. Putain, je l'ai déjà. Boop, boop, boop!
Voilà. Donc quand vous lootez pas du truc qui est à 15%, c'est le moment d'ouvrir vos élites, les mecs. Voilà sur quoi tu tombes. Alors voilà, on appellera ça la théorie... C'était quoi déjà le truc de Riemannix, là? Voilà. Non, mais je vous l'ai dit, hein, 15% sur Moon Knight, tu tombes pas de Moon Knight, ben ouvre autre chose, hein, et forcément tu vas tomber sur quelque chose, hein, c'est sûr. Hein. Eh ben écoute, regarde, je préfère un 6RS là-dessus que sur Moon Knight, hein, je te le dis. Il m'en reste deux, hein, je vais quand même les péter, hein, je m'en fous. Franchement, là je suis en mode, je m'en fous, hein, là on va pas se mentir. What happened in the Bifla, in the Bifrost? Il m'en reste une. Ils s'en crament tout. Qu'est-ce qu'on fait les mecs, on ouvre un 4ème 6RS? Non mais stop là dans le chat. Eh ben franchement, j'apprécie énormément Steven Moon Knight 15%. Vraiment sympa ce petit event. Personnellement, j'ai les 15% sur Moon Knight, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, ça m'a énormément plu. ça m'a plu, c'était sympa. Genre, il y a un moment, on arrive, on est là, on prend des 6. Ouais, c'était pas mal, un petit hold-up au calme. Ok. Je vais juste regarder le chat. 6RS, 4 6RS. Eh ben écoute, Moon Knight, merci. Merci beaucoup Jean-Eude, merci beaucoup Scopelli, merci beaucoup tout ce qui vient de se passer, c'était super. Fais une émeute 15%, ça vaut le coup, ouais, grave. Ah ouais, c'est pas mal ce qui vient de se passer, hein. Oh, diantre, waouh. Alors le Stripe 6RS, par contre, ça c'est assez dingue. Merci beaucoup d'être pas venu. Mais écoute, Moon Knight, franchement, on t'attendait pas, on n'est pas déçus. Ah, le truc de ouf. Bon, ben, je pense que je vais récupérer le live et couper cette partie pour en faire une vidéo, parce que bon, je pense qu'il faut, divulguer... Oh, ouais, oh, ben Dieu. Il faut divulguer au monde ce qui vient de se passer, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Oh, moi, je dis pas non pour tout. Hein. Tous les 6RS que je joue en choc, moi, je dis pas non. Hein. C'est du up pour tout. C'est pas parce que c'est pas ouf maintenant que ça sera pas ouf plus tard. Hein. On l'a pas vu passer, c'est la nouvelle lune.
Bon, bah merci pour cette petite musique. Merci M'Baku, dédicace à toute la Wakanda, bien sûr, que j'adore. Hein. Ça, ça fait plaisir, la Wakanda, on les aime. Bon, bah c'était sympathique, hein, ce petit opening. On s'attendait à rien, on n'a pas été déçus. Hein. On a eu beaucoup plus que rien. Ok. Écoute, franchement, les gars, une réaction à chaud comme ça, j'ai rien compris. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Là, faut pas me demander. Je n'en ai pas la moindre idée.